bien-aimé, parfois il nous faut un dimanche où les enfants de Dieu s'expriment where the children of God can dans express themselves in the assembly of saints. Donner l'opportunité comme ça. Give the opportunity et pour adorer le Seigneur. To worship the Lord. Ensemble, together, nous nous embarquons dans la louange et l'adoration de l'autre. We embark into praise and worship, and we are encouraged and blessed. Soyez encore une fois abondamment bénis, bien-aimés. May you be blessed, beloved. Merci la chorale. Thank you, choir. May the Lord bless you. Nous allons partager la parole de Dieu. Bien-aimés, vous savez, share the word of God. Dieu aime quand nous l'adorons. Beloved, you know God loves when we worship Him. Nous sommes reconnaissants. When we are grateful. Dieu aime ça. God loves that. Nous allons partager la parole. We're going to share the word. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a donné. Today, Holy Spirit has given us. Le thème. The theme. La prière. Of prayer. Et la foi. Prayer and faith. Je pouvais dire la prière de la foi. I could say the prayer of faith. Et j'aimerais que nous puissions l'intituler la prière et la foi. But I want this to be called prayer and faith. La prière. Prayer. C'est un enseignement parfois que les gens trouvent simple. This is a teaching that people can find too simple. Qui n'est pas peut-être nécessaire. That might not be necessary. On peut développer. We can develop this beaucoup title. Beaucoup d'enseignements. And talk a lot. Mais on oublie la prière, on oublie la foi. But we forget about faith and prayer. Ces choses sont vraiment le fondement. These are at the foundation de notre vie chrétienne, of our Christian life, de notre foi, of our faith. Même c'est notre vie. It should be our lifestyle. Pour parler de la prière, au fait, je voulais parler de la prière, mais on ne peut pas parler de la prière sans la foi. But we can't talk about prayer without mais faith. Aussi, on ne peut pas parler de la prière. And we cannot just talk about prayer sans la parole de Dieu. Without the word of God. Donc, je toucherai la parole, so I will also touch on the word, la foi et la prière. On faith and on prayer. Très important. La parole de Dieu. The word of God. Je disais une fois. I said once. Croire en l'existence de Dieu. To believe in the existence of God. Ne nous suffit pas. Is not enough. Et il y a, je pense, l'apôtre Jacques. I believe the apostle James. Qui a dit, les démons aussi croient en said Dieu. Said that demons also believe in God. Et ils ont peur. And they're afraid. On peut croire dans l'existence we de can Dieu. Believe in je God's existence. Je sais comme nous sommes là, nous croyons I know que that Dieu all existe. Of us here believe that God exists. Mais however, il faut aussi croire we must also believe dans sa parole. In his word. On ne peut pas croire en Dieu. We cannot believe in God. Mais on ne croit pas dans sa parole. And not believe in his word. Sa parole est vraie. His word is truth. La parole de Dieu est le catalyseur. The word of God is the catalyst. Catalyseur, je m'excuse. Catalyseur. It is the catalyst. De la puissance de Dieu. For the power of God. En d'autres termes. In other words. La parole de Dieu est le déclencheur. The word of God is the trigger. De la puissance de Dieu. Of God's power. La parole de Dieu déclenche. The word of God triggers. Les desseins de Dieu. God's plans. Le but de Dieu. God's purposes. Le projet de Dieu. God's goals. S'accomplit au travers de la parole de Dieu. And these are fulfilled through the word of God. Au matin de son pouvoir, Dieu parle à Josué. At the onset of his power, de Josué, at the onset of Joshua's reign, quand il devrait succéder à Moïse, when he was to succeed Moses, Dieu lui dit, God tells him, Josué, tu vas maintenant être le président de la République d'Israël. Joshua, you will now lead the Israelites. C'est toi qui vas diriger. You're the one who will guide them. Mais pour diriger ces peuples, but in order to rule over these people, Dieu va lui donner un secret. God gives him a secret. Dieu lui dit, God tells him, pour que tu sois bien, in order for you to tu be sois well, capable, in order for you to be able, de diriger ces peuples, to reign over these people. Dieu dit à Josué, God tells Joshua, médite, meditate. Il dit que la parole, he says, de
La parole de Dieu, he says, the word of God, ne quitte pas tes yeux, must not leave your eyes, médite-les, meditate in it, jour et nuit, day and night, pour que tu sois capable, that you may be able, de porter cette charge, to bear this burden. Donc le secret, so the secret, c'est la parole de Dieu, is the word of God. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, and we see that in the word of God, Dieu nous parle aussi dans Proverbes chapitre 4. God also speaks in Proverbs chapter 4. De versets 4, 20 à 22. From verses 20 and 22. Dieu va nous dire quelque chose. Je crois God 21 tells us à 22. Something. Proverbs 4, 21 and 22. Il dit, mon fils, he says, my son, prête l'oreille. Give donc, attention. Sois attentif. Pay attention. À mes discours. To my words. Prête l'oreille. Incline your ear. Prête l'oreille. Incline your ear. À mes paroles, je les dis sayings. Par cœur comme ça, je ne les lis pas. I'm just remembering this, I'm not reading. Il dit, car, he says, c'est la vie. Because they are life. Pour ceux qui les trouvent. For those who find them. Et c'est la santé. And health. Pour tout leur corps. To all their flesh. Donc, dans la parole. So in the word. Il y a la vie. There is life. Il y a d'autres traditions. In other translations. Par exemple, King James. In the King James Version. Au lieu de dire c'est la santé pour tout leur corps. Instead of saying it is good health c'est le for all médicament. Their flesh. It says it is medicine. Le médicament. It is medicine. Pour tous les corps. For your body. Donc, la parole de Dieu. So the word of God. Est un médicament. Is medicine. Dans la parole de Dieu, in the word of God, il y a la vie. There is life. Donc, quand on doit parler de la prière, so when we talk about prayer, nous ne pouvons pas parler d'une prière efficace. We cannot talk about an effective prayer sans la parole de without Dieu. The word of God. C'est comme quand on part chez un juge. It's like going before a judge. Tu dois aller te défendre. You have to defend yourself. Disons, prenons la place de l'avocat. Let's say you're the lawyer. L'avocat doit avoir des lois. The lawyer must be des based règles, on des laws articles, and rules and principles. Tout ce que vous voulez. Anything you want. L'avocat doit se défendre devant le juge. The lawyer must defend. Il doit prendre la loi. Himself before the judge. Il va les brandir devant le juge. And he will present it c'est before comme the judge. Devant Dieu. And it's the same thing Dieu with God. Est un juste juge. God is a just judge. Il est le juge de tout. He is the judge of all things. On va prendre sa parole. So we'll take his word. La parole qu'il nous a donnée. The word he has given c'est us. C'est cette parole-là. And that word. Que nous allons brandir devant Dieu. Is what we will bring before donc, him. Donc quand tu rentres dans la prière. So when you enter into prayer. Tu ne peux pas être efficace. You cannot be effective. Avec tes paroles seulement. With your own words. Voilà pourquoi bien-aimé. That is why, beloved. La méditation. De la parole de Dieu tous les jours. Meditation of the word of God every day. Est quelque chose de très important. Is something that is truly important. Puisque quand tu vas prier. Because when you pray. Tu vas prier avec quoi? What will you pray with? Et vous savez. And you know. Le fait de méditer. The fact that you meditate. Le fait d'être en contact tout le temps avec la parole de Dieu. The mere fact of being in contact with the word of God la at all times. La parole de Dieu nous guérit. The word of God heals us. La parole de Dieu nous touche. The word of God touches us. Quand vous regardez les miracles when you see miracles qui se passent that are taking place quand nous prions, when we pray les guérisons, healings c'est la parole. That is based on the word mais cette parole but that word doit être méditée, must be meditated doit upon être intégré, it must be internalized doit être compris, it must be understood doit être mangé, it must be eaten cette parole, that word pour que ça puisse in order donner for it to le produce résultat. A good result on ne prend pas seulement une parole comme we ça we don't just take a word at random tu les proclames and proclaim et tu it pries. And pray. Sois quelqu'un qui médite. You must be someone who meditates profondément la parole de Dieu. On the word of God. Peuple de Dieu, Satan fait people tout of God, Satan does everything pour que les gens ne méditent pas la for parole. People to not meditate on trouve the word, toujours des excuses. So that we always come up with excuses. Mais regardez dans la parole de Dieu. But look at the word of God. Il y a la vie. There is life. Bien-aimé, il y a la vie. Beloved, there is life. Il y a des gens qui étaient à l'article de la mort who were qui se sont accrochés à and la parole unto the word, qui ont cru dans cette and they parole believed in that word, qui ont proclamé tu me diras qu'il y a beaucoup de gens qui meurent non you'll say that je a lot of people die but I'm talking about qui those se sont accrochés qui ont remonté leur foi and who regained à partir de la parole de Dieu based on the word of nous God. Avons vu les gens we've seen revenir à la vie come back to life. Nous avons vu les gens we have witnessed touchés people being touched
Ils ont cru. Because they believed. Voilà pourquoi Dieu a dit. That is why God said à Josué, to Joshua, médite, meditate, réfléchis sur think la parole. About the word of God. Mange cette parole. Eat this word. Passe ton temps spend avec la your parole. Time with the word. Peuple de Dieu, tu peux prendre même 15 minutes. People of God, you can even take 15 minutes. 15 minutes, ce n'est pas beaucoup. 15 minutes isn't a tous lot. Tous les jours, every single tu day, lis la parole. You read the word. Tu la lis. You read it. Donc, Esaïe va nous dire ceci. Isaiah tells us. Esaïe 55. In Isaiah 55. Verset 11. Verse 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ici c'est Dieu qui parle. This is God speaking. Il parle de sa parole. He's speaking about his word. La parole qui sort de sa bouche. The word that comes out of his mouth. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici, here, Dieu nous dit God is telling us que la parole qui sort de sa bouche, that the word that comes out en fait, of his mouth, la parole qui est écrite, qui or est the sortie word de that la is written Dieu, down that has come out of que God's nous allons mouth, lire, that we're going to read, quand nous la méditons, when we meditate on that word, nous la croyons, we believe in it. Dieu dit cette parole God says that that word ne retourne pas à lui shall sans not return effet, to him void, sans avoir exécuté, without accomplishing sa volonté, his will, et accompli ses buts, and fulfilled its purpose. Dieu nous dit ça. God is telling us this. La parole de Dieu ne retourne. The word of God. Ici, c'est la dimension du surnaturel de la parole de Dieu. This is the dimension of the supernatural. C'est du spirituel. This is spiritual. Donc, ce que je suis en train de dire, what I'm saying here, c'est spirituel. Is that it is spiritual. Vous savez, la parole de Dieu est spirituelle. The word of God is spiritual. Quand nous regardons dans Genèse, when we read in Genesis, chapitre 1, verset 1, chapter 1, verse 1, la Bible nous dit ceci. The Bible says, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc on parle du Saint-Esprit qui Holy planait Spirit, sur notre monde physique. Who was hovering over donc, the face of the earth. Notre monde physique, our physical world, la Bible nous dit, the Bible says, il y avait des ténèbres. That there was darkness. Il y a d'autres versions qui disent il y avait des chaos. Other versions say there was l'Esprit chaos. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. And the Spirit of God was mais moving. Qu'est-ce qui s'est passé? But what happened? La Bible nous dit Dieu va parler. The Bible says that God speaks. Dieu va parler. God speaks. Dieu va parler. God speaks. Je ne veux pas prendre ces versets là, je vais les dire comme ça. I don't want to Dieu read parle. It all, but God speaks. Dieu va dire. God was about to say. Que la lumière soit. Let there be light. Qu'est-ce que Dieu a fait? What did God say? Dieu a parlé. God spoke. La parole de Dieu a été libérée. The word of God was set free. La parole de Dieu est esprit et the vie. The word of God is spirit and life. Dans cette dimension de l'esprit. In that dimension of the spirit. La parole de Dieu crée du surnaturel. The word of God creates the supernatural. Elle crée du it surnaturel. It creates the supernatural. Par exemple, nous. For example, with us. Quand nous avons accepté Jésus. When we received Christ. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. I want us to understand something. Nous sommes nés de nouveau. We are born again. La Bible dit nous sommes nés de nouveau. The Bible says we are born again. Nous sommes nés de nouveau comment? How are we born again? C'est notre esprit. It is our spirit. Notre esprit. Our spirit. Que la Bible appelle l'homme intérieur. Which the Bible calls the inner c'est man. C'est notre esprit qui est né it de nouveau. It is our spirit that is born puisque again. Puisque tu vas te voir. Because you'll find yourself. Tu n'as pas changé. That you haven't changed yet. Qu'est-ce qui change? So what does change? C'est l'esprit qui est recréé. It is the spirit that is recreated. Esprit. Your own spirit. Donc, nous devenons so we become des êtres spirituels. Spiritual beings. Par le Saint-Esprit, through the Holy Spirit, nous sommes nés du Saint-Esprit. We are born of the Spirit. Nous sommes aussi capables, and we also are able, nous sommes aussi capables, we also are able, de parler de la parole de Dieu, to speak the word of God, les libérer, to set the word voir free, le résultat. And to see the result. Amen. Amen. C'est comme quand Nicodème est parti demander à Jésus. It's like when Nicodemus went to ask Jesus. Seigneur, Lord,
Quelqu'un ne peut pas faire ce que tu fais. Nobody can do what you do. Comment tu fais? How are you doing it? Et Jésus lui a dit. And Jesus told him. Si un homme, if a man, n'est pas de l'esprit, is not born of the Spirit, ne peut pas voir, he cannot see la gloire de Dieu, the glory of God. Donc, bien aimé, nous sommes nés, so we are born de l'esprit, of the Spirit. Quand nous sommes nés de l'esprit, when we are born of the Spirit, nous pouvons aussi, we are able, libérer la parole, to set the word free, qui est spirituel, the word that is spiritual, et voir des choses, and see results, s'opérer, and see things take place. Je vous parle souvent du saboteur. I have often talk about the one who sabotages. Les saboteurs qui viennent tout le temps dans la pensée. Who comes into our mind. Qui va te dire. And he'll say things. Toi, tu vas aller prier pour. J'étais en train de parler avec une sœur, par exemple, I was speaking with a sister this weekend. Elle me parlait d'une maman qui était malade. And she was talking about a mother who je was sick. Je lui ai dit, quand tu pars, I tell her, when you leave, exerce ta foi. Exercise your faith. Crois aussi, you believe, que Dieu peut t'utiliser. That God can use you. Pourquoi? Puisque l'ennemi viendra. Because the enemy will come. Cette parole est donnée à tout le monde qui accepte Jésus. This word is being given to everyone il who receives Jesus. Il va te dire, est-ce que toi tu penses que quand tu vas aller prier, but the enemy will come and say, do you really think that when you pray, quelque chose va se passer? That something will really change? Non, 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 non. Il n'y a que Pasteur Victoire. It's only Pastor Victoire who can do it. Il n'y a que Papa Jean. It's only Brother John who can do it. Maman Émilie, it's par only exemple, Sister Emily who can do it. Prier. Who non. can pray? But that's not the case. Alors, les saboteurs. So the one who sabotages. Cette voix-là. That voice. Qui vient tout le temps dans notre pensée, that comes up into our pour mind, nous démoraliser, to discourage us, nous rabaisser, to belittle nous us, dévaloriser, to devalue nous us, mentir, to lie to nous us. Devons refuser d'accepter. We must refuse to accept. Je ne sais pas si vous me saisissez. I don't know if you understand this. Quand tu as lu ta parole, once you've read your tu word, l'as médité, you have meditated tu crois upon dans it, cela. You believe in the word, crois que tout est possible. Believe that anything is possible. Donc je parle de la dimension, so I'm speaking of a dimension, spirituelle de la parole. The spiritual dimension quand of the tu word. Parles, when you speak, on ne voit pas la parole, we don't see the word, mais il y a quelque chose, but there is something qui se passe, that is taking place. Amen. Amen. Au commencement, in the beginning, Dieu a libéré seulement. God simply set the la word parole, free. Il y a eu la lumière. And there was light. Il y a eu le ciel et la terre. There was heaven and earth. Allez lire dans Genèse chapitre 1. If you read in Genesis 1. Donc, la dimension de l'esprit. So the dimension of the spirit. C'est la dimension du surnaturel. The dimension of the supernatural. Que la parole a. Which the word of God la parole has. Crée ce qui est visible. The word creates what is visible. Ouais. Je l'ai déjà expliqué. Donc, nous faisons partie de la dimension spirituelle. So we operate in the spiritual realm. La parole de Dieu nous positionne. The word of God positions us. Dieu a décrété. God has decreed. A déclaré les choses. He has declared things. Bien-aimé, tu peux décréter aussi. Beloved, you also can decree things. Tu peux aussi déclarer. You can les also choses. Declare certain things. Tu peux aussi ordonner des choses. You can choses. Also command things. J'ai dit, ne croyez pas seulement aux sorciers. Don't just believe that witches qui ordonnent des choses are able to command qui a things. Peur d'un sorcier. And you're afraid of a witch. S'il parle, oh, if this person quand speaks, il va dire, when this person is going toi, to say something, la parole but de Dieu. You have the word of la Bible God. Déclare the Bible says que la malédiction sans cause that a curse without cause n'a aucun effet. Has no effect. Tu peux annuler you can cancel toutes les malédictions, every curse, toutes les paroles, every word avec la parole de Dieu. The word of God. Tu peux les annuler. You can cancel restez them. Dans la foi. And remain in faith. Donc j'étais en train de parler de la parole de Dieu. So I was speaking about the word of God. Donc maintenant, and now, nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ. We are in the gospel of Jesus Christ. Ce que dit Jésus dans l'évangile, what Jesus says in the gospel, il accomplit aussi. He also fulfills it. À ce que Jésus dit, whatever Jesus says, il accomplit. He fulfills. C'est lui qui nous a dit ceci. He's the one who told us si this. Si tu crois, if you believe, tu verras la gloire de Dieu. Will see the glory of God. Si tu crois, if you believe, c'est l'évangile. That is the gospel. Et Dieu accomplit cela. And God fulfills it. Nous allons lire un passage. We'll read a passage. Dans Romains chapitre 4. In Romans chapter 4. Ici, nous avons introduit avec la parole. We've introduced this message with the word. Pour montrer l'importance. To see the importance. De la parole de Dieu. Of the word of God.
Je voulais parler de la foi. And now I want to talk about faith. Deuxième point. This is our second point. Romains 4. Romans 4. Nous allons lire verset 16. Verses 16 jusqu'à 22. Through 22. J'ai pris la version Le Semeur. I'm reading from Le Semeur version. Puisque je trouve que Le Semeur le dit beaucoup mieux. Because I think this version says it better. Verset 16. Verse 16. Romains 4, verset 16 Romans et 22. Verses 16 jusqu'à 22. 22. Voilà pourquoi 16. L'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il soit un don de grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. C'est comme le dit l'Écriture, « Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples placés en présence de Dieu. » Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. 19. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu 21. Et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il promet. 22. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Ça, c'est la tradition Le Semeur. This was from the Le Semeur version. Nous allons lire, avant de commenter, nous allons lire Hébreux 11, verset 11. We'll read in Hebrews 11, verse 11. Hébreux 11, verset 11. Hebrews 11, 11. Pour compléter ce que je viens de lire. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants. Amen, bien-aimés. Amen, beloved. Dans notre premier texte que nous venons de lire, that we read, on nous parle de l'héritage. It talks about the inheritance. L'héritage, the inheritance que Dieu nous donne, which God has given us. Dieu nous le donne par la foi. God gives it to us through faith. Pour dire all that to tout say, ce que nous pouvons recevoir, that everything we can receive, ce n'est pas par la loi. It is not through the law. Mais c'est par la foi. But it is through faith. Par la grâce. By the grace of God. Que Dieu nous donne son héritage. That we are given his heritage. La Bible nous dit que les promesses de Dieu, the Bible says that God's promises, nous les recevons par la foi, are received by faith. Ah oui. Donc nous tous, so all of us, qui sommes aujourd'hui appelés la descendance d'Abraham, we're all called the descendants of Abraham, nous les recevons par la foi. We receive it by faith. C'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Donc, la bénédiction d'Abraham, the blessing of Abraham, les promesses d'Abraham, the promises of Abraham. Ici, Paul veut nous dire, Paul is telling us through this text, que ces promesses, that those promises, nous les recevons, nous, we can receive them, qui n'étions pas les Juifs,
us who weren't the pas Jews, le peuple de Dieu au we départ. Weren't God's people in qui the beginning, devenus de peuple de but Dieu. Who have become God's en people acceptant Jésus, by receiving Jesus, nous recevons we also la receive promesse de Dieu en tant que God's postérité par la foi as the descendants of Abraham avec by faith, les Juifs. Along with the donc, Jews. En nous disant cela, so when we tell ourselves the, la Bible this, va expliquer quelque chose. The Bible explains something. Il dit, Abraham est notre père à nous tous. It says that Abraham is our father. Comme le dit l'Écriture. Verse 17. Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Donc, ce que Dieu lui avait dit, placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ici, la parole veut nous dire que Abraham here the word is telling us a mis sa confiance that Abraham put his trust en Dieu. In God. Il a mis sa confiance en Dieu. He put his trust in God. Et quel Dieu? And which God? Abraham a cru Abraham believed en un Dieu qui donne la vie. In a God who gives life. Qui peut ressusciter les morts. Who can bring the dead back to life. Il croyait en un Dieu he believed in a God qui appelle à l'existence. He calls to existence. C'est ça, Abraham connaissait son Dieu. Abraham knew his God. Maintenant le verset 18. Verse 18 of Romans 4. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Tout lui interdisait 19. D'espérer. Veut dire quand tout rien n'est possible. Everything seems quand impossible. Quand tout semble impossible. When everything seems impossible. J'aime la façon dont le Semer le dit. I love the way the Semer says it. Tout lui interdisait d'espérer. Everything was telling him vous not to believe. Vous voyez quand tu te retrouves dans une situation. You know when you find yourself in a situation. Où tu ne peux pas where you can't even humainement comme ça fathom, humanly speaking, tout ne te donne même pas there is nothing un espoir that it can give you hope. Tout était impossible. So everything seemed impossible. Et même ça pouvait être de la folie de croire dans and ces choses. And it could have been folly to believe in those things. Mais la Bible nous dit but the Bible tells us Abraham a espéré that Abraham hoped alors que tout although everything n'était pas possible seemed impossible tout n'était pas possible it all seemed impossible mais Abraham but Abraham a espéré hoped l'autre version dit another version says espérant contre toute espérance hoping against all hope il a espéré he hoped en d'autres termes in other words Abraham a choisi Abraham chose d'espérer. To hope. Abraham a choisi. Abraham made the decision. De croire. To believe. C'est vrai, la situation est comme ça. It's true that the situation was dire. And we'll understand this as we go. La suite nous décrit sa situation. On dit, il a espéré, il a cru. It says that he hoped and he believed. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude and de peuples. And he became the father of many nations. À ce que Dieu lui avait dit. According to what God has donc, à told cause him. So because de sa foi of his faith et de son espérance, and because of his hope alors que tout lui interdisait d'espérer, while everything seemed impossible à cause de cette dimension de la foi, because of that dimension of faith Abraham est devenu quand même Abraham became le père de multitudes the father of many nations. Verset 19. Verse 19. Il dit, il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. 20. On décrit l'état d'Abraham. It is describing Abraham's state. Son état. His state. Un homme de presque 100 ans. He was almost 100 years old. Sarah ne pouvait plus donner la vie. Sarah couldn't give birth anymore. Mais dans toute cette situation, but despite all of this, la Bible dit sa foi n'a pas faibli. The Bible says that his faith was not weakened. Ah non. Sa foi n'a pas faibli. His faith was not weakened. Verset 20 on dit verse au 20, contraire. Au contraire. It says on the contrary.
Loin de mettre en doute la promesse de Dieu et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. Au contraire. On the contrary. Non, au contraire. On the contrary. Il a refusé. He refused. De ne pas croire dans la promesse de to Dieu. To not believe in God's promise. Dieu lui avait fait cette promesse. God had made this promise to Abraham. Dans un état bizarre, in Abraham a était. Strange state, in whatever Dieu state that Abraham was in. Yet God bien gave aimé, him a Dieu promise. Peut te faire des promesses. Beloved, God can make you promises. Quand tu regardes tout, and when you look at everything around you, tout, everything, mais Dieu te donne une promesse. But God gives you a promise. Tout est contraire. Yet everything looks tout opposite est compliqué. To what God says. Everything is complicated. Mais dans toutes ces choses-là, but in all of this, Dieu te donne une promesse. God is giving you a promise. Fais comme Abraham. Do like Abraham did. Abraham a cru. Abraham believed. Abraham a espéré. Abraham hoped. Qu'est-ce que lui donnait la force? What was giving him strength? C'était sa foi. It was his faith. Mais il est reconnaissant. Il reconnaissait la grandeur de Dieu. He recognized God's greatness. Ah, j'ai aimé ce qu'on a chanté. I love what we sang today. Dieu grand. That God is great. Il est grand. God is awesome. Ah, il est grand. He is great. Dieu puissant. God is powerful. Dieu. Abraham dit, mon Dieu est Abraham puissant. Said, my God is powerful. Je reconnais sa grandeur. I recognize his greatness. Il est le créateur de toutes choses. He is the creator of all things. Et le verset 21 dit. Verse 21. Il était absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Amen. Dans cette condition que nous décrivons là. In whatever state Abraham was in. Abraham était convaincu. Abraham was convinced. Il était persuadé. He was persuaded. Il dit, Dieu est capable. He said, God is able. Dieu est capable. God is able. D'accomplir ce qu'il promet. To perform whatever he promises. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa voix sur son crédit. Donc, Abraham était déclaré juste. So Abraham was counted righteous. À cause. Because. De sa foi. Of his faith. En fait, la foi d'Abraham. Abraham's faith. Est un dû. Was a given. La foi d'Abraham. The Abraham's faith. Est un salaire. Was his wage. Dieu l'a payé. God paid him back. Pour avoir eu la foi. For having had faith. Dans ces conditions-là. In the condition that he was in. Dieu a payé à Abraham. God paid Abraham. C'est ça que la Bible dit. That's what the Bible is telling Dieu us. Dieu a porté ça à son crédit. God accounted him as righteous. Et Dieu lui a payé. And he paid him. On parle de Sarah. We talk about Sarah. Souvent quand on parle de Sarah. Very often when we talk about Sarah. On ne dit pas que Sarah. On parle pas souvent de la foi de Sarah. We don't often talk about Sarah's faith. On parle de la foi d'Abraham. We talk about Abraham's faith. N'est-ce pas? On parle souvent de la foi d'Abraham. We talk about Abraham's faith a lot. Mais ici on dit par la foi Sarah here it elle says aussi. That Abraham, that Sarah as qui well, était stérile, who was barren, par la foi, by faith, a été rendue capable de devenir mère. Was made able to become a mother. Alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. When she was already advanced donc, in age. Par la foi. So by faith. D'abord, Sarah devait aussi avoir la foi. Sarah also had to have faith. Pour porter ses miracles. In order to bear her miracle. Amen, bien-aimés. Amen. La Bible nous dit clairement ici. The Bible tells us clearly. Que Sarah elle aussi. That Sarah as well. A cru. Believed. Dans la fidélité de Dieu. In God's faithfulness. C'est ce que il a fait que Sarah soit capable. That is what enabled Sarah de porter to bear ce miracle. That miracle. Pour que la chose soit effective. In order for the thing to become tangible. Effective and tangible. La foi. Faith is required. Bien aimé, la foi. Beloved, faith bouge le cœur de Dieu. Moves God's heart. Je disais que je vais parler de la prière. I told you I would je talk about prayer. Je parlais d'abord de la parole. But I first started with the word. Quand nous avons la foi. When we have faith. Ici Abraham. Here Abraham. L'objet de la foi d'Abraham était quoi? What was the source of Abraham's faith? La Bible dit Abraham a cru. The Bible says that Abraham believed. A cru en quoi? And what did he believe a cru in? Dans ce que Dieu lui avait dit. He believed in whatever God told donc, him. La parole de Dieu. So the word of God était la substance. Was the substance. Quelque
quelque chose de tangible. Something tangible. Sur lequel upon which Abraham s'est appuyé. Abraham was able to lean. Abraham ne s'est pas appuyé sur autre chose. Abraham didn't lean on anything else. L'objet de sa foi était la parole. The source of his faith was the word. Puisque Dieu lui avait dit, because God had told him, un jour, one day, nous allons les lire dans we'll read Genèse it, 15. In Genesis 15. Mais Romain l'a aussi répété. Mais j'aimerais que nous puissions voir d'où vient ça. Genèse 15. Genesis 15. Après ces événements, la parole de Dieu. Verse 1. Donc 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. 2. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Daman. 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles, 5. Qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qu'il les lui imputa à justice. Donc, Dieu lui avait dit, telle sera God ta had postérité. Told him, so shall be your descendants. Donc Abraham a cru dans ça. And Abraham believed in it. Abraham a cru dans ça. Abraham believed. Bien aimé, plus la foi grandit, beloved, the more our faith grows, plus éclate la gloire de Dieu, the more God's glory can be quand manifested. La foi grandit, when faith grows, la gloire de Dieu s'éclate, God's glory is manifested dans des merveilles et des prodiges, in wonders and signs. Nous avons besoin des signes. And we need those wonders. Dans la Bible, nous voyons le Seigneur Jésus, in the Bible, we see the Lord Jesus, confirmé par des signes, confirming through signs, et des prodiges, and wonders. La, même la parole des prophètes, even through the word of prophets, est donnée à ces paroles de crédit, and giving credit to those words. Dieu donne le crédit, God gives credit, aux paroles des prophètes, to the words of prophets. Donc, aujourd'hui, quand nous proclamons l'évangile, so when we proclaim the gospel today, nous sommes prophètes de Christ. We are the prophets of Christ. Et nous avons besoin de ces signes, and we need his signs, pour rendre crédible la parole in order to make the word credible in the name of Jesus. Tu es prophète, you are a prophet, quand tu proclames la parole, when you proclaim the word of God. Donc les signes et les prodiges, so les prodiges and wonders qui éclatent dans le that are manifest entier, in the world, éveillent la foi, awaken faith. And those who were sleeping se réveillent, are awakened. Les gens ont de l'espérance. People find faith. They find hope. Donc, notre foi, so our faith doit agir, must move. Notre foi, our faith doit être exercée, must be trained. La foi, c'est comme un muscle. Faith is like a muscle. Nous devons exercer we la foi. We must train faith. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us tout est possible that all things are possible à celui qui croit. To those who believe. Amen. Amen. Mais notre foi est liée à quoi? But what is our faith tied to? Notre foi est liée à la croix de Jésus. Our faith is tied to the cross of Jesus. Notre foi, our faith, doit être liée à la croix. Must be tied to the cross. Nous devons replacer l'importance du sang de Jésus au centre de notre foi. We must place the importance of the blood of Jesus at the center of our faith. Oui. Puisque la croix, because the cross, c'est à la croix, it is at the cross, que nous avons eu la victoire, that we received victory, nous avons eu la guérison, we received healing, nous avons été bénis, we were blessed, nous avons été délivrés de la malédiction, we were set free from the curse, à la croix, at the cross. Donc notre foi, so our faith, doit être liée à la croix, must be tied to the cross of Jesus Christ. C'est très important. It is truly crucial. En parlant de la prière, when talking about prayer, notre église est la maison de prière. Our church is the house of prayer. Amen. Amen. Notre église est la maison de prière.
Notre église est le lieu d'adoration. Our church is a place of worship. Notre église, our church, est la maison du Saint-Esprit. Is the house of the Holy Spirit. Vous savez quand les disciples ont prié? When the disciples prayed. Pendant autant de jours. For so many days. Ils ont prié. They prayed. Les résultats de leur prière. And the result of their prayers. La venue du Saint. Was the coming of the Holy Spirit. Même si. Even though. Jésus l'avait promis. Jesus had already promised. Mais il a fallu. But something was required. Déclenche. La venue du Saint-Esprit. The coming of the Holy Spirit had to par be triggered through prayer. Donc, notre église, so our church, doit être une maison de prière. Must be a house of prayer. Mais aussi la maison du Saint-Esprit. And it must also be the house of the Holy sans Spirit. Sans la prière, without prayer, l'église ne peut pas avoir the church. La présence du Saint-Esprit. Cannot have the presence of the Holy Spirit. L'église devient un cimetière. The church becomes a cemetery. Sans la prière. Without prayer. Si nous ne pouvons pas expérimenter. If we cannot experience. La présence de Dieu. The presence of God. Donc l'église. As a church. Devient comme un cimetière. We become a cemetery. Nous devons prier. We must pray. Avec instance. With insistence. Pour le réveil. For a revival. Quand je dis avec instance. When I say with insistence. Avec persistance. With persistence. Avec détermination. With determination. Pour le réveil. For a revival. Puisque même la plénitude du Saint-Esprit. Because even the fullness of the Holy Spirit. Est née par la prière. The fullness of the Holy Spirit is born through prayer. Bien-aimé, la ferveur dans la prière and fervor in prayer est quelque chose de très important dans l'église. Is something important in the church. Ouais. L'église, the church, doit être dans la prière à tout moment. Must remain in prayer. Je voulais parler de l'importance de la prière même chez les leaders. And I want to talk about the importance of prayer with leaders. Quand tu es responsable, when you're a ministry leader, des ministères, tu es responsable dans you're l'église a leader pour in quelque the, in the chose. Church for anything. Tu dois être un homme, you must be a man, et une femme de prière, or a woman of prayer. Le problème de la prière, the issue of prayer, des leaders dans l'église, for leaders c'est in the church, un problème très important à résoudre. It's an important issue to solve. On ne peut pas servir Dieu. We cannot serve God sans la vie de prière. Without a life of prayer. Tout dans les choses de Dieu. In the things of God. Est dirigé par la prière. En fait. The things of par God are led Saint by Esprit. Prayer. They are led by the Holy Mais Spirit. Mais le Saint-Esprit qui agit. But the Holy Spirit who moves. Par notre prière. Through our prayer. Donc la prière est vraiment importante. So prayer is very important. Pour chaque ministère. For every single ministry. La prière est la clé du réveil. Prayer is the key to revival. Dans chaque ministère. In every ministry. Donc, les leaders dans l'église. So leaders in the church. Nous devons savoir. We must know. L'importance de la prière. The importance of prayer. Aucun ministère. No ministry. Ne peut pas opérer. Can function. Sans une vie de prière. Without a life of prayer. Sans un programme dans la prière. Without a program in prayer. J'ai souvent dit par exemple. I often say. La chorale peut chanter. That the choir can sing. On a vu des gens dans le monde. We've seen people in the world. Qui quand ils chantent. That when they sing. Les gens tombent évanouis. People faint. Ils ne priaient pas. They're not prayer. Il a utilisé seulement le talent. They just use their talent. Donc. Même dans le monde, quelqu'un peut chanter. Even in the world, somebody can sing. Mais nous, les choses que nous faisons. But the things that we do. Il y a une dimension spirituelle. There's a spiritual dimension attached to the things we do. La Bible nous dit. The Bible tells us. Le combat que nous menons. That the battle that we fight. Ce n'est pas un combat spirituel. Is not carnal. Et ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. It is a spiritual fight. Tu ne peux pas venir, par exemple. You cannot come. Tu prends le micro. And you take the mic. Tu joues les instruments. And you're playing an instrument. Sans la vie de prière. Without a life of prayer. Tu ne peux pas être aux médias. You cannot be at the media team. Sans la vie de prière. Without a life of prayer. Même
la technologie, even with technology, doit être dirigé par la prière. Must be led by prayer. Donc, tout le monde, so everyone, doit être dans la prière. Must be in prayer. Pour que la chose de Dieu marche. In order for the things of God to work. La Bible dit demandez vous recevrez. The Bible says ask and you shall receive. Notre responsabilité est de prier. Our responsibility is to pray. Et nous abandonner à Dieu. And to surrender ourselves to God. Dieu va accomplir. In that way God will move. Continuez de demander. Keep on asking. Regardez dans 1 Jean 5, 14. Let's read in 1 John 5, 14. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Bien-aimés, beloved, la Bible nous dit quand nous demandons quelque chose, the Bible says that when we ask for something, qui est conforme à la volonté de Dieu, that aligns with the word of God, with God's will, Dieu nous écoute. God hears us. Et si nous avons qu'il nous écoute, and if we know that he hears us, nous avons déjà la chose. We know that we have the thing. Le Seigneur nous dit demandez et vous recevrez. The Lord tells us ask and you shall receive. C'est vrai, il nous a pas dit quand est-ce que vous allez recevoir. It's true that he doesn't tell us when we will receive the thing. Je ne dis pas que ça va prendre des années, des années. I'm not saying that it's going to take years. Mais le Seigneur ne nous a jamais dit tu demandes, je te donne. But the Lord has never said that if you ask, he'll give immediately. Donc, il n'a jamais dit demandez et vous recevrez tout de suite. He didn't say ask and you'll receive immediately. Parfois, il peut t'éprouver. Sometimes he can test you. Il peut éprouver notre foi. He can test our faith. Notre persévérance. Our perseverance. Notre confiance. Our trust. Et il nous laisse attendre. And he makes us wait. Dieu agit parfois comme that ça. That is how God moves at times. Vous savez quoi, bien-aimé? And you know what, beloved? C'est notre manque de constance. It is our lack of consistency. Manque de ténacité. De persistance, our lack of persistence, souvent qui nous empêche d'obtenir ce que le Seigneur nous a that promis. That stops us from receiving whatever the Lord has promised us. Est-ce que vous m'écoutez? Are we together? Le manque de persistance. The lack of perseverance. Ou bien tu as déjà prié pendant un certain temps. Or you've prayed for some time. Ça te bottonnerre. And then you get frustrated. Tu laisses tomber. And you give up. Non. La Bible nous dit continuez de demander. But the Bible says keep on asking. Quand Dieu agit, when God moves, ou bien quand Dieu nous guérit, or when God heals us, c'est pas puisque nous sommes saints. It's not because we're so holy. Non, puisque lui est saint. It's because he is holy. Il nous guérit, il fait des choses par sa grâce. He heals us and he does things through his grace. La Bible nous dit venez à moi. The Bible says come to me. Dans Matthieu 11, 28, in Matthew 11, il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui l'a dit. That is, donc dans la prière, in prayer, là où on retourne à la prière, when we come back to prayer, les vocations des gens naissent. People's purposes are born. Là où on retourne dans la prière, when we go back to prayer, il y a les charismes, we find charisma, les dons spirituels, we find spiritual gifts qui se déclenchent, that are ignited. Là où il y a la prière intense, where we come back to prayer, nous allons vivre des dons. We experience gifts. Les gens vont se donner encore beaucoup. People will give themselves even more to the Lord. La gloire de Dieu se manifeste. The glory of God is manifested. Par la prière, through prayer, l'Esprit de Dieu renouvelle même des foyers. The Spirit of God renews redonne la foi aux jeunes. He gives faith back to the youth. Guérit nos maladies. He heals our sicknesses. Jésus est le maître de l'impossible. Jesus is the master of the impossible. Jésus est le maître de l'impossible. Jesus is the master of the impossible, beloved. Jésus est vivant. Jesus is alive. Nous devons savoir quand nous prions. We must know that when Jésus we pray. Jésus est le maître de l'impossible. That Jesus is the master of the impossible. Say with Jésus me est le that Jesus is the master of the impossible. Jésus est vivant. Jesus is alive. Vous savez, Jésus n'est pas un personnage historique. Hein, Jesus seulement. Is not just a historical. Il n'est pas being. Un personnage historique. He's not just a historical being. Jésus est le même hier, Jesus is the same yesterday, today, and forevermore.
Avec Jésus, un cas désespéré n'existe pas. With Jesus, there are no desperate cases. Est-ce qu'on peut le dire? Can we say avec it? Jésus, with Jesus, un cas désespéré there are no desperate n'existe cases. Pas. Mais vous savez, but you know, il n'y a que des gens qui désespèrent. Only people get discouraged. Parce que nous ne connaissons pas vraiment Jésus. Because we don't truly know Jesus. Mais Jésus est le maître de l'impossible. But Jesus is the master of the impossible. Ne dis jamais c'est perdu. Never say all is lost. Non, ce n'est pas perdu. All is not lost. Bien-aimé, beloved, Jésus veut te donner un témoignage Jesus à raconter. Jesus wants to give you a testimony to tell. Est-ce que je parle à Am quelqu'un? Am I speaking to someone? Jésus veut te donner Jesus un wants témoignage to give you a testimony à raconter. To tell. Jésus veut donner à quelqu'un Jesus un wants témoignage. To give somebody a testimony. À cette année, this year, nous avons dit c'est l'année des récoltes. We said it is the year of harvest. Tu peux me dire c'est vrai? You can say it's true. Nous avons connu des situations difficiles. Through certain difficult situations. Oui, quelquefois, at times, dans la vie, in life, on connaît des situations we difficiles. Go through hardships. Mais ne vous attendez pas au négatif. But don't expect negative things cette only année. For this year. Amen. Amen. Ne vous attendez pas au négatif. Don't expect the worst. Dieu a en réserve ce que tu as demandé. God is holding for you what you've depuis asked for. Depuis des années. For years. Tu peux te dire. You can tell que yourself Dieu a en réserve that God ce que je demandais is holding something for depuis you that you've des asking années. For years. Ah oui, cette année, this c'est l'année des récoltes. Is the year of harvest. Ah oui, on sèmera. We will sow. On récoltera. And we will reap. Dieu va vous surprendre. God will surprise you. De manière inattendue. In unexpected ways. Il va vous surprendre. He will surprise you. Ayez l'attente. Be in expectation. Attendez-vous à Dieu. Expect God to move. Les choses pour lesquelles vous avez prié. The things for which you've prayed Dieu for. Dieu va te surprendre. God will surprise you. Dieu a dit. God said. Que celui qui sème. That whoever sows. Il va récolter. Will reap. Tu as semé. You've sowed. Avec larmes. With tears. Tu as semé. You've sowed. Avec beaucoup de difficultés. With a lot of hardships. Tu vas récolter. You will reap. La Bible nous dit. The Bible tells us. J'aimerais pour terminer. Dieu est sur le point de libérer certaines bénédictions. God is about to release some blessings. Et il faut être attentif. And we must pay attention. Comme la femme. De perte de sang. Like the woman with the issue of blood. Longtemps possible avec la perte de sang. She was going through this issue for years. Longtemps possible. Longtemps possible. Je vais vous lire. Dans Psaume 126. We'll read in Psalm 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Verse 1. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Two. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Three. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Four. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Five. Ceux qui sèment avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est sur le point de libérer certaines God bénédictions. God is about to release some blessings. Dieu va te surprendre, je God le répète. God will surprise you. Même si tu avais connu des difficultés. Even though you went through some hardships. Tu vas dire à Dieu. You will tell God. Je sais. I know. Cette année. That this year. C'est mon année de récolte. Is my year of harvest. C'est mon année de récolte. It is my year of harvest. C'est mon année de récolte. It is my year of harvest. Bien-aimé, je ne viendrai pas croire à ta place. Beloved, I won't come and believe in your place. Je ne veux pas croire à ta place. I won't believe for you.
Peut-être tu n'as pas un besoin. You probably don't have a need. Mais tu peux prier pour le besoin d'une autre personne. But you can pray for someone else's need. Tu peux prier pour le besoin de ta cousine. You can pray for your cousin's needs. Tu peux prier pour le besoin des autres personnes. You can pray for other people. De ta famille. In your family. Ou les membres de l'église. Or the members of the church. J'ai dit avec Jésus. I've said with Jesus. Il faut pas désespérer. We cannot get discouraged. Avec Jésus. With Jesus. Il ne faut pas désespérer. We cannot despair. Il est le maître de l'impossible. He is the master of the impossible. Il est le maître de l'impossible. He is the master of the impossible. Il accomplit sa parole. And he fulfills his word. Il fait de nous. He makes of us. Des prophètes. Prophets.